Yo tout le monde, vous allez bien ou quoi? On se retrouve aujourd'hui, quelques mois après la dernière vidéo cuisine. Vous pouvez voir que j'ai remis la toque ainsi que le petit tablier. Mais cette fois, ce ne sera pas une histoire de gâteau parce qu'on est en plein mois saint du ramadan. Donc j'allais pas faire un gâteau là comme ça, un petit peu comme la dernière fois. Mais du coup, j'ai pris mes responsabilités en tant que grand garçon et j'ai décidé aujourd'hui de me charger du f'tor de ma famille. Voilà, le f'tor, c'est quand on casse le jeûne ici à Lyon, c'est aux alentours de 21h avec un bon repas. Le f'tor, de manière générale, les gens le font à leur manière. Il y a différentes cultures, différentes manières de faire, différentes tables plus ou moins fournies avec différents plats. Il y a quand même des grands classiques que vous pouvez retrouver partout. Chez nous, on est marocains, donc on fait à notre façon. Nous, ce qu'on va prévoir aujourd'hui au programme, c'est un plat principal ainsi que un ou deux petits à côté qui permettent d'en rajouter. Donc par exemple, aujourd'hui, le menu, ce sera des bricotons avec des feuilletés à la saucisse et enfin un plat principal avec une petite salade. Et cette fois, aujourd'hui, je ne serai pas assisté par madame parce qu'aujourd'hui, je serai assisté par ma petite sœur. Bonjour. C'est la première fois que je me permets de la montrer sur YouTube, donc je compte sur votre respect dans les commentaires. Ne dites pas de dinguerie comme d'habitude. Et puis pour la vidéo, c'est parti. Bon, du coup, pour attaquer, on va démarrer avec les briques. Tu vas nous expliquer, mais je crois que tu avais dit on va faire bricotons aujourd'hui. On va faire des bricotons. Donc, bricotons, c'est très très simple à faire. Ça va être du thon, de l'oignon, du persil, sel, poivre, un petit œuf pour lier tout ça. On va commencer par couper l'oignon. Je sais que vous aimez bien vous moquer, hein. Ah, vous aimez bien vous moquer. Ah, qui sait pas cuisiner, il a 25 ans. Vous êtes tous parfaits dans votre vie, c'est le rageux. Bon, du coup, deuxième oignon, on continue. Je continue. Et puis, sache que, oh, sinon, dans le pire des cas, tu viens, tu prends ta grosse hache à persil. Ok, super. J'ai jamais fait, hein. Ça, c'est dans Food Wars, ils appellent ça une mezzaluna. Eh oui, monsieur. Attends, donc, fais ça. Ah oui. Ça a plus de flow avec ce truc. Ça, il est entre taille. On fait le bûcheron, là? C'est ça. Attention. Voilà, parfait. C'est bon, c'est suffisant? Ouais, c'est bon. Parfait. Bon, bah la phase oignon est terminée. Et derrière, on va commencer à, je pense, le thon, non? C'est une boîte de thon premier prix. Chez Zach, c'est la Hesse. YouTube, ça paye pas. Jugez pas, c'est pas moi qui ai fait les courses, moi j'ai juste donné la carte. On va venir prendre du persil. Allez, stop, c'est bon. Alors, généralement, on prend tout le temps du persil frais. Ouais. En tant que Marocain, la coriandre et le persil, c'est toujours, enfin en tant qu'Arabe, en général, mais aujourd'hui, frais. Mais aujourd'hui, t'as décidé de foutre la honte. C'est que quand c'est des briques ou c'est un truc qui va être cuit de l'intérieur, le persil, de toute façon, va perdre de sa texture lors de la cuisson, donc surgelé ou pas. Ouais, vous en foutez, fichez, ok. Voilà, sel, poivre, voilà. Voilà, donc l'œuf, en chimie, ça sert de liant, donc ça va venir lier tous les ingrédients. Non mais t'as... C'est les aléas du direct. Ça, ok, je mange comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. T'es contente de voir ça, hein? Ok, super. Donc ça va être la farce qui va composer la brique. Voilà. Et derrière, le petit trick sera de réussir à en faire un vrai truc bien triangulaire. Et c'est ce qui risque de poser problème, parce que la farce encore, c'est un peu la phase la plus simple. Okay. On va juste préparer un blanc d'œuf. Okay. Donc le blanc d'œuf, il va servir à coller en fait. Donc je vais venir, première étape, ça là, ok, petit pliage. Je viens prendre un peu de farce, mais pas trop. Voilà, là, je rajoute un tout petit peu. Voilà, encore un peu. Je suis généreuse. Encore un peu. Allez, encore un peu, allez. Donc là, voilà, tu viens plier comme ça. Super. Ensuite, encore comme ça. Ça ressemble à rien au début. Ok. Ensuite, encore comme ça. Ah ouais, mais tu plies de chaque côté à chaque la phase. Et là, okay. Voilà. Donc, moi, je suis partisante de s'arrêter ici. Mettre un peu de jaune et fermer comme de blanc pardon et de fermer comme ça. D'accord. Il y en a d'autres, comme notre mère, qui s'arrête ici, qui fait comme ça, et qui ferme comme ça. Qui rabille comme ça. Qui rabille au blanc. Voilà, c'est ça. Okay. Sauf que moi, j'aime pas trop cette technique parce que ça laisse beaucoup de feuilles. D'accord. Voilà, voilà. Donc là, par exemple, tu vois, quand j'ai fait ma brique, je me suis rendu compte qu'arrivé à la fin, il me restait pas mal d'espace. Donc je vais revenir et je vais en rajouter encore un peu parce que... Pour faire une brique chargée. Bien chargée, tu vois. Toi, t'as faim, toi. Bien chargée.
Je pensais que c'était plus compliqué que ça, tu vois. Après, je dis ça, je vais faire un déficit total. Voici le mensonge des tables arabes. on cache. Bon, maintenant on va toutes les faire et puis je vais pas vous montrer toutes les briques et on passera à la recette d'après. On a arrêté de filmer au moment où apparemment j'ai réussi à faire quelque chose de beaucoup plus propre. C'est quoi? Deuxième essai. On va refaire un essai. C'est parti. Mini saucisse. C'est pas des saucisses, c'est des saucisses. Ça c'est elle va toujours me prendre dans les supermarchés turcs, les trucs comme ça. Et donc du coup ils ont souvent des produits qui transitent par l'Allemagne et ça donne quelque chose comme ça. Mais bon, on va pas trop se moquer parce que les Turcs font partie de l'élite gastronomie de ce monde. Bon, allez, on continue. Ok, alors, on va venir ouvrir ça. Donc c'est feuilleté à la saucisse, c'est ça? Voilà, c'est ça. Okay. Donc, pas feuilleté, c'est croissant à la saucisse. Croissant à la saucisse. Gros mix, tentative de croissant à la saucisse. T'en as déjà fait? J'en ai déjà fait, mais je t'avoue que le pliage, je suis okay. Intermédiaire. Bon, vous êtes, vous avez la parole. Hein. Donc, alors, next. On va venir couper comme ça. Ok. Comme ça. On va couper comme ça. Ok. Comme une grosse pizza. Voici les croissants. Ils sont bien. Hein. On prend un peu. On en met là. Hop, tout simplement. Un peu comme ça. Ok. Très bien comme ça. Hop, après nos petites saucisses de Turquie. Les saucisses. Et puis après. On en fout qu'une. Et voici un croissant, les amis. Tu le rattrapes, tu comme vois. Comme dans le drapeau d'Alger. Comme ça, putain. Genre comme ça? Je suis en mode. Ou peut-être si on fait genre une comme ça. Ah, si on fait une en décalé. Ouais, je suis en mode. Ok. Et là, je remets. Ouais, ok. Hop. Et puis tu fermes sur le déco. Comme ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et ouais, bon, j'espère que t'as pas des abonnés pâtissiers. Oh, je suis désolée, les gars, je suis désolée. Si. Vous avez haram vos croissants. Non, franchement, en vrai, le mien là, comme ça, regardez, bien rempli, bien. Ouais, il donne plus envie. Ouais, c'est pas mal. Ok, donc on va continuer comme ça les croissants et juste après, une fois que ce sera fini, en fait, tout ça, tout ce qui sera à manger chaud, on va le cuire qu'à la fin. Donc c'est pour ça qu'on le fait dès maintenant. Le fêteau est à 21h, là il est à peu près 18h, donc on va tout faire maintenant. Et après avoir fait ça, on attaquera tout ce qui est plat et salade. Bon les amis, après les hors-d'œuvre comme on dit, on est parti pour ce qui est plat principal et petite entrée. Ma petite sœur s'occupe de la salade, mais ça vous allez voir son avancement après. Et moi je vais m'occuper d'un plat que je maîtrise avec quelques petits ajouts de ma petite sœur qui m'a conseillé sur certaines choses. Donc le plat que je maîtrise, donc quand j'ai appris un petit peu à cuisiner l'année dernière quand je vais tout seul à Paris, tu vois, avec le fait d'ajouter des oignons, des épices, etc. Le plat que je préfère faire, c'est riz poulet, que voici, donc des salades de poulet avec des champignons et de l'oignon et un yaourt après qui va servir à faire macérer la viande dans les épices. Donc là tout de suite on coupe la viande, on s'occupe des oignons et des champignons juste après. La viande, on s'en occupe en premier, comme ça on peut la foutre dans le saladier et faire macérer le tout, c'est bien. Vous êtes chez Philippe Etchebet. Donc on va couper la viande, je suis pas un professionnel en coupage de viande. Je trouve ça très spirituel à faire. Hop, alors ça, ces morceaux-là sont un peu gros, donc on peut limite les recouper une deuxième fois. C'est un petit plaisir aussi de pouvoir faire des petits plats et, vous savez, vous montrer mon savoir-faire et faire profiter ma famille. Moi, je vous cuisine souvent, hein, Nargis? Non. Pas du tout. D'ailleurs, quand je vous régale le week-end, je vous fais à manger. T'as vu le week-end quand je vais sur Uber Eats et que je commande des pizzas pour tout le monde? Ah ouais. Ah ouais. Tu fais quoi, toi, Nargis? Je découpe de la feta. Je découpe de la feta. Bon, ça en est ta salade? Colorée. Oh, il y aura quoi dedans? Surprise. Donc au niveau des épices, on démarre avec un peu de poivre. J'aime bien mettre un peu de poivre sur ma viande. Je me permets d'en mettre un peu comme ça. Je vais mélanger un peu après pour que ça rentre bien. Tac. Tu penses qu'il y en a assez là? J'adore le curry, donc on en met un peu. Et ensuite, voici un truc
que ma petite sœur a acheté et qui est de la pâte de curry. Donc apparemment, il faudrait... Bon, c'est vrai que comme ça, ça n'a pas l'air super sexy, mais apparemment, en tout cas, ça a une bonne odeur. Il faut en mettre une cuillère à soupe et après mélanger avec le yaourt grec et on est bon. Hop, donc on en fout un peu de partout. Apprenez également des astuces sur la chaîne de Zach. Yaourt grec au lieu de crème fraîche. Mais bon, hop. On y met de l'amour aussi. En fait, le problème, c'est le bruit qui ressort. Il y a un peu. Et ouais, donc l'astuce, moi j'aime bien commencer par faire les légumes en bas et mettre la salade en haut. Et après, j'arrive et puis je mélange tout et c'est beaucoup plus facile à mélanger. Voilà. Donc place dorénavant aux champignons. Donc on a fait la viande qui est dans cette assiette. Histoire que on a mis une assiette dessus, histoire que ça repose. Maintenant, on s'occupe un peu des champignons donc dont on s'est un peu occupé en offre. Donc on va faire tous les champignons restants. Également l'oignon. Et ensuite, on va procéder à exactement ce que je vous ai dit. Donc une fois que les champignons sont coupés en lamelles, les oignons également. On va commencer oignon, petite épice, champignons, viande. Et il faut également commencer bien évidemment le riz. Bon, on reprend. Nargis, je vois à tes yeux que t'es un peu ému. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'oignon. Elle est un peu émue. Bon, du coup, on va reprendre. On a commencé à faire le riz. Dorénavant, ça va être du coup oignon coupé finement à la main avec l'appareil. Et puis ensuite, les champignons qu'on a coupés en morceaux. On commence. Donc au début, je mets petite huile d'olive toujours. J'aime bien cuisiner à l'huile d'olive, voyez-vous. Hop. Et petite astuce que j'ai lue sur internet à l'époque quand j'avais commencé à cuisiner des oignons et pour pouvoir les faire dorer moins vite, je me rappelle qu'il conseillait de foutre du sel dessus. En foutant du sel dessus, en fait, ça faisait que les oignons doraient moins vite, donc du coup ne grillaient pas et c'était mieux de faire comme ça. Donc on met un peu de sel dessus. Je vais rajouter également du curry, vu que ça reste quand même une composante importante de la recette. On mélange un peu tout, histoire que ça puisse dorer. Puis une fois que ça aura doré, on pourra rajouter ensuite les champignons. Donc là, en parallèle, on commence l'eau pour le riz. Bon, le riz qui aura une cuisson, à ma foi, habituelle. Je vais commencer à pleurer, gros. C'est le même feeling quand je croise des cheaters sur Warzone. Donc voilà pour les oignons pour l'instant. On va attendre que ça dore un peu. Enfin, je sais pas si je fais les meilleures tranches, mais voilà. Petit fact, tu détestais les champignons jusqu'à, je crois, l'âge de 15 ans, je crois. Pourquoi tu fous là? On rajoute ça. Et après ça, ce sera autour de la belle bête là-bas qui a eu le temps de reposer. Et je vous cache pas, Alex peut vous le confirmer, les odeurs sont plutôt satisfaisantes. On va s'occuper de ces croissants. On va badigeonner un jaune d'œuf dessus, puis on va parsemer les semblants de croissants de graines de sésame torréfiées. Voilà. Et après, ça va partir au four pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, ce qui devrait aller... Jusqu'à qu'il ressemble à des Bogdanov, en fait. Jusqu'à qu'il tire une gueule un petit peu gonflée et que ça ressemble à quelque chose. En parallèle, on va finir le plat principal, la salade est faite, et les briques qui sont ici, qu'on fera en finalité. Et après, on va faire croire à ma mère qu'on a tout foiré. It's time to badigeonner les croissants entre guillemets interstellaires. C'est bien comme ça? C'est parfait. Ok, nickel. Zach Nani couteau suisse. Personne ne peut l'arrêter. T'imagines? Ça m'appelle Zach Nani chez moi. T'imagines? Karim, ça s'appelle Monsieur le V12 chez lui. Au fait, Monsieur le V12, tu mets des graines de sésame. On pousse à où? Là, comme ça. De manière... Nous devons ajouter les magnifiques champignons à la cuisson. Eh ben, sur ma chaîne, vous aurez vu des gâteaux, des pizzas, un ftour. Attention, quel sera le prochain challenge de Zach le cuisinier? Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Quand j'irai vivre en Corée, je vous ferai un barbecue coréen. Ne vous inquiétez pas, c'est dans les papiers. Oh, ça claque. Ah oui, toi, c'est beaucoup plus... C'est comme ça que... Là, je te montre, donc... F1, karting. Voilà, là, il y a la formule, là, il y a le karting. C'est moi qui ai la toque. Ça me fume. D'ailleurs, moment vérité, la dernière fois, quand on a fait le gâteau, il y avait certaines parts qui étaient un peu cramées dessous. Et Alex, qui est ici présent et qui filme, peut vous le confirmer, n'est-ce pas Alex? Non, on va pas se mentir. Globalement, il restait quand même beau. Ouais, ouais, il était bon. Mais il y avait certaines parts qui... Non, mais en fait, si tu peux filmer, s'il te plaît, pour te défendre, est-ce que vous voyez les températures? Non. Est-ce qu'il y a une quelconque température? C'est le ghetto... On ne sait pas, on ne sait pas.
Franchement, ça a de la gueule, hein, ça donne la gueule. Disclaimer, là, tous les cuisiniers, les boulangers, les pâtissiers, ce sont des conseils basés sur mon vécu, ok? C'est les conseils de la Hesse. En fait, si vous voulez, je lui ai dit en off, je lui ai dit, tu vas voir dans les commentaires YouTube, tu vas te faire reprendre à la mort tous tes acquis que tu pensais avoir obtenus avec des années d'expérience en cuisine, tu vas tout être perturbé. Non mais j'accepte, hein, franchement, tout conseil est bon à prendre. Éduquez-moi, y a pas de souci. Mais tout ce que je dis, c'est pas la vérité vraie, hein. Ça a l'air pas mal. Peut-être pas le plus esthétique, mais moi j'en suis content. On met une assiette ou un couvercle dessus? Puis on va laisser sur feu doux, c'est feu parfait. Doux. Parfait, c'est déjà feu doux, nickel. Le four est dans 30 minutes. Exactement. Donc ça nous laisse le temps de mettre nos feuilletés slash semblant de croissance slash on sait pas c'est quoi slash je suis désolée les gars, je sais pas si c'est vrai. On va les mettre au four dans 5 minutes. On va faire frire les briques. Alex, tu vas repartir avec une odeur de friture en toi, tu vas sentir le maghreb, ça va être excellent. Et puis on va poser la table et voilà. Bon, it's time pour faire frire les simulacres de briques là-bas. Il faut les faire frire à l'huile de tournesol, pourquoi pas à l'huile d'olive? Est-ce que tu fais frire tes frites à l'huile d'olive? Bonne question, allez c'est parti. Okay. Tu me dis stop? Quoi, faut encore? Moi, ça va. Ah, ça baigne dans ton huile? Ah mais oui, ça baigne dans ton huile. Oh ouais. Allez. C'est bon là, non? Mais t'es sérieuse? Je te jure. Et les gens voient ce que je mets d'huile là et mon double menton, tu penses qu'ils font pas une... tu penses qu'ils font pas... Ils font pas une corrélation noire. Ok, donc maintenant, on va laisser frire ça. Brique. Pendant ce temps-là, la viande plus le riz, ils sont en train de se terminer. Il va rester 5 minutes sur le riz, 2 ou 3 minutes sur la viande. Les croissants sont au four, tout sans brique, exactement. Donc ça, c'est le diabète en boîte. Voilà. Donc des macrotes, de la zlabia. Zlabia, pour ceux qui se demandent, c'est ça. Et ça, croyez-moi, c'est... Plus sucré que le sucre. C'est là, dans ce truc que je tiens, il y a peut-être 100 grammes de sucre. Ouais. C'est extrêmement sucré. Là, on est Gucci. Il est plutôt crasin. On va faire une blague comme ça, et toi et moi, on va s'embrouiller. Chef Zach, attention, prends vidéo Black Ops 3, sous préparation de briques. Vous croyez quoi, vous? Et donc voici... Hop, le riz, le petit mélange avec la viande, j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de sauce, bon bah, apparemment il y en a assez. Donc viande, oignon, champignons, curry, riz, à côté nous avons les belles briques qui ont été assez bien rattrapées, donc bricotons comme vous l'avez vu. Les croissants sont encore dans le four, ils vont sortir d'une minute à l'autre. Il est 20h56, donc il est moment, enfin il est temps de mettre la table pour vous montrer un petit peu tout ça. Et après on va rompre le jeûne, je vous montrerai pas forcément la rupture du jeûne parce que c'est un moment à faire en famille. Mais il y aura une belle photo et de quoi vous montrer un ensemble de la table et à quoi ça ressemble. Donc on va la mettre en place. C'est des briques sur leur lit de salade. Mais pourquoi tu rajoutes de la salade? C'est pour la décoration. Mais personne met de la salade sur des briques. Mais tout des briques sur de la salade. Dès que tu mets de la salade, c'est tout de suite plus classe. Briques sur lit de salade 2020, les amis. On va faire les princes également à mettre ça là. Hop. Il va manquer juste les croissants que vous allez voir dans un instant. Et voilà, la table pour ce soir. La salade, la principale, les petits à côté. Ça date d'hier, c'est les petits pains fourrés qu'on appelle bot. Le dessert. Et c'est chef cuistosac. Maman, t'en penses quoi là de ce que tu vois pour l'instant? Juste viens voir d'un peu loin, tu nous dis officiellement ce que t'en penses en tant que cuisinière de cette maison. Riz poulet curry, bien. Briques. Ça donne envie, ouais. La fierté des nôtres. Et voici pour les fameux croissants, à quoi ils ressemblent, les Bogdanov comme elle les a appelés. Donc c'est la pièce finale qui a mis un peu plus de temps à cuire. Vous avez vu maintenant l'ensemble de la table. Je me permets du coup de dire Sahab Tokom à tous les musulmans qui ont regardé celle-ci. Elle sortira à 18h, donc du coup, ce sera peut-être pas le moment exact. Mais malgré tout, on pense à vous. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci Nargis. Nargis, merci. Merci. Oui. Mais merci. Merci d'être venu nous aider. C'était grave cool, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres idées dans ce style, je les referai avec plaisir. Pour ma part, je vous dis à la prochaine et faire. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que j'étais. Il l'a fait. Le thé à la marocaine, santé.